is humming. Ma complice.
Oui, jeune fille. Vous avez... Ces sables sont froids. Elle cagite sans la chaleur de votre présence. Crachez le morceau. Le temps, c'est de l'argent. Vous avez besoin d'argent? J'ai peut-être quelque chose pour vous. Le sanctuaire d'Aube-Étoile. C'est là que vous et votre bande vous terrez maintenant. Vous savez quoi? Ça vous coûtera beaucoup d'argent, mais je peux vous aider. De quoi parlez-vous exactement? Une chambre digne d'un roi, c'est ça? Aucun problème. Vous aurez un grand lit, la pièce sera joliment décorée, et on trouvera bien quelques babioles. Très bien. Que cherchez-vous? Oui, on peut faire ça. Je suis en train de penser à une bouche d'égout à la périphérie d'Aube-Étoile. Elle mène à un tunnel qui mène à l'intérieur. Vous pourrez entrer et sortir en un rien de temps. Très bien. Que cherchez-vous? Voilà la confrérie noire telle que je la connais et telle que je l'aime. C'est pour le travail ou le loisir? Peu importe. Je veillerai à ce que ça soit fait. Très bien. Que cherchez-vous? Voilà qui sera utile, n'est-ce pas? Un poste d'alchimie, peut-être un petit jardin avec des plantes de choix. Très bien. C'est comme si c'était fait. Très bien. Que cherchez-vous? Des étendards, hein? On essaie d'égayer un peu l'endroit. Tenez, voilà. Désolé, je ne peux pas faire mieux que ça. J'espère avoir rendu l'endroit vivable. Bonne chance pour vos... meurtres. Crachez le morceau. Le temps, c'est de l'argent. Dire qu'on a des talents de voleur, c'est une chose. Cicéron est à votre service. Oh, grande et puissante. Alors, attendez. Cicéron est vivant et nous sommes tous redevenus amis. J'ai vraiment du mal à suivre. Je peux toujours vous vendre quelques potions ou vous enseigner l'alchimie. Faites attention. Mais est-ce votre voix? Un autre enfant a prié sa mère. Allez voir le Skald déshonoré à l'Académie des Bardes à Solitude. Prenez l'argent qu'il vous remettra et tuez la cible. Oreille noire. Signez notre contrat de son sang. Comme vous voudrez, Oreille noire.
Quelle surprise. Cicéron est toujours en vie. Je ne supporte pas ce maudit bouffon. Mais si vous l'avez accueilli ici, je ne dirai rien. Bonne chasse. Je vous en prie, Oreille Noire. Si Cicéron doit faire partie de ce sanctuaire, je l'accepterai. Mais n'y a-t-il rien que vous puissiez faire au sujet de... la danse? Allez, partez. Je dois admettre que je trouve la présence de la mère de la nuit réconfortante. Pensez-vous que les gens de bord de ciel pourront un jour se passer de nos services? J'en doute fort. J'attends vos ordres. Très bien, Oreille Noire. Pourquoi faites-vous cela? C'est des renseignements que vous voulez? C'est au sujet de l'héritage, c'est ça? Très bien, je vais vous dire où je l'ai caché. Il est dans une souche d'arbres creuses, dans le marais, au sud de Solitude. Maintenant, vous allez me laisser partir, n'est-ce pas? S'il vous plaît, laissez-moi partir. D'accord? Je ne dirai pas un mot à qui que ce soit. Ce sera notre petit secret. C'est promis. S'il vous plaît, laissez-moi partir. D'accord? Je ne dirai pas un mot à qui que ce soit. Ce sera notre petit secret. C'est promis. S'il vous plaît, laissez-moi partir. D'accord? Je ne dirai pas un mot à qui que ce soit. Ce sera notre petit secret. C'est promis. Je vous dirai tout ce que vous voudrez. Mais arrêtez de me faire du mal. Je vous en prie. Je n'en peux plus de souffrir. Je vous donnerai de l'argent, un trésor. J'ai des richesses cachées. Prenez tout, c'est à vous. Mais... ah! Arrêtez, je vous en supplie. Juste au nord de Vendôme, il y a un rocher creux. J'ai caché des richesses à l'intérieur. Prenez-les, elles sont à vous. Je vous ai dit tout ce que je savais. Je ne vois pas ce que vous pouvez vouloir d'autre. Je vous ai dit tout ce que je savais. Je ne vois pas ce que vous pouvez vouloir d'autre. S'il vous plaît, que voulez-vous? Arrêtez! Et je vous dirai où j'ai caché mon trésor. Il est dans un rocher creux, dans la toundra, un peu à l'ouest de Blanche Rive. Arrêtez, par pitié. Oh Dieu, vous m'avez déjà tout pris. Tuez-moi, qu'on en finisse. Vous ne pouvez pas me faire ça. Savez-vous qui je suis? Quand mon père le saura, il vous éviscérera. Ah, j'ai compris. Vous cherchez la cachette de mon père, c'est ça? Avec la dot destinée à mon mariage. Ah, elle est soigneusement dissimulée dans le creux d'un tronc d'arbre, à la sortie de Faillaise. Vous ne la trouverez jamais. Mince, je vous ai tout révélé, n'est-ce pas? J'ai hâte de découvrir ce que me réserve l'avenir. Bonjour, Oreille Noire. Exécutez bien votre contrat. Faites attention! Amusez-vous bien! Tuons quelqu'un! Cicéron est un humble serviteur. Oui, Oreille Noire. En quoi puis-je vous servir ?